la roumaine, qui elle a fini première, avec une note de 9,606. Et là, nous allons voir cette fabuleuse école roumaine, consistée de travail de grande fiabilité, de consistance. L'entraîneur met en place le tapis de protection qui est maintenant obligatoire en compétition pour les sauts en rondate flip. Ceci afin d'éviter les accidents en mettant les pieds à côté du tremplin, bien sûr. On revoit notre jeune Mexicaine, très dynamique, petite bombe, très joli saut, avec une réception presque parfaite, un tout petit sursaut en réception. Dites-moi Marie-Pierre, il n'y a pas beaucoup de Françaises là dans cette discipline sur les 8 dernières en lice. Eh bien, nous avions deux jeunes Françaises, deux Parisiennes en l'occurrence, Mademoiselle Généraux et Mademoiselle Régaz, qui se sont bien comportées, mais qui sont jeunes encore et qui ont besoin certainement d'expérience. Un saut en rondade flic-flac, double salto, rondade flic-flac, salto arrière tendu avec une double vrille, excusez-moi. Très très beau saut de très très haut niveau. On revoit au ralenti une course progressivement accélérée, une pose de main avant le tremplin sur un petit tapis pour éviter les traumatismes au niveau des poignets. Et ce très beau saut avec une double vrille. En réception, vous voyez des tapis mous.